Hey, salut à toutes et à tous, c'est Siana. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc, sans plus attendre, je vais commencer tout de suite parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc, pour commencer, j'ai eu la chose qui permet de me filmer. Donc, je vous l'ai déjà montré dans ma première vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Vous tapez Siana présentation de ma chaîne et ça va vous la mettre directement. Alors, j'en ai tellement, je suis super contente. Dans ce magnifique petit sac avec des hiboux, avec ici marqué un petit mot à la on t'aime fort, bon anniversaire José et Amel. Donc elle s'appelle Amalia. Donc vous pouvez aller aussi voir sa chaîne qui est Polo Ferro. Vous pouvez aller aussi vous abonner et partager comme pour la mienne. Donc en fait c'est ma grande soeur et elle chante. Donc je vous invite vraiment à aller voir parce que pour moi elle chante bien. Donc voilà, dans ce petit sac, c'est mes frères et soeurs qui m'ont acheté quelques petits cadeaux. En fait ils se sont comme qui dirait un peu rassemblés. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par leur cadeau qu'ils m'ont offert? On va commencer par celui-là. De la part de ma sœur, j'ai eu un baume à lèvres de la marque Steripan. Il est comme ça. Il a l'air vraiment flashy comme ça parce que c'est à cause de mon éclairage. Mais vraiment, un peu comme ça. Toujours autant, mais il fait comme ça. Donc quand on met sur les lèvres, bon, je vais essayer de vous le mettre ici. Il se voit vraiment pas en fait. Vous voyez le petit trait qu'il y a ici? Et ben voilà, ça fait comme ça. Donc je vais essayer de le mettre sur mes lèvres. Voilà, il se voit vraiment pas beaucoup. C'est ça que j'aime dans les baumes à lèvres, parce que j'aime pas trop quand ils se voient et tout ça, que ça fait un peu effet rouge à lèvres. Ensuite, donc là c'était de la part de ma soeur, on va continuer de la part de ma soeur. J'ai eu un démêlant comme ça de la marque Les Cosmétiques de Paris qui est à l'avocat et au karité. C'est un après shampoing comme ça, qu'il est super. En plus ils sont vraiment très bons. Et du coup par mon frère j'ai eu le shampoing aussi qui va avec. Donc c'est pareil en fait, hein. Après qu'est-ce que j'ai eu d'autre de leur part? Ah oui, de la part de mon frère, j'ai eu ce dop qui sent vraiment, mais vraiment super bon. Donc c'est le dop au bonbon cola. Donc il sent vraiment super bon. Le vrai bonbon en fait, comme si vous en avez vraiment en fait. En plus, j'aime bien, c'est un peu épais. Et quand vous l'avez avec, c'est super bon. Ensuite, de leur part, j'ai eu aussi une petite fleur de bain rose. Mais bon, en fait, elle est toute mouillée, du coup, je ne l'ai pas prise. Bah, je pense que vous voyez ce que c'est, les fleurs de bain un peu toutes roses. Enfin, elle est toute mignonne. Ensuite, on va passer à d'autres personnes. Donc, j'ai eu ce petit sac. Ça vient du le manège à bijoux à Leclerc. Avec marqué ici joyeux anniversaire avec des petits froufrous comme ça que j'aime bien. Ici il y a un scratch. Vous ouvrez. Et il y a une boîte comme ça. Et on ouvre cette boîte. Et à l'intérieur nous avons un collier avec un pendentif en forme de dauphin avec des paillettes. Donc franchement je l'adore. Merci. Vraiment je dis merci à tout le monde. Je vous dis tous merci et ça, comme ça évite que je dise merci tout le monde de la vidéo. Je vous fais vraiment des gros bisous. Et je pense que vous vous reconnaîtrez par rapport au cadeau que vous m'avez acheté. Ensuite, j'ai eu mon tout premier cottage. Il est comme ceci. Donc je pense après que je m'en achèterai d'autres parce que j'adore vraiment les cottages. Ça m'a fait un peu plus découvrir que... En fait, j'en voulais trop un, hein, je voulais trop tester. Donc, c'est celui à la fleur d'oranger sans parabène. Et vraiment, j'adore la fleur d'oranger. Ça sent vraiment très bon. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est le petit format. Donc, je sais pas si vous voyez. En fait, il est un peu... Il est en format un peu normal comme ça, quoi. Donc, voilà. Je l'adore vraiment, ce cottage.
comme là vous pouvez voir, j'ai vraiment j'ai tout fait quoi, j'ai tout bien rangé comme il faut. Ensuite, de la même personne encore, oui, j'ai eu un parfum de chez Les Petits Plaisirs à la vanille et à la framboise. Donc en fait, pour son anniversaire à elle, je lui avais offert aussi un cottage, mais je lui avais offert à la cerise et à la pistache. Donc elle avait vraiment adoré. Du coup, elle m'en a pris un à la fleur d'oranger qui est ici, que je vais vous montrer. Et je lui avais aussi acheté un parfum comme ça, sauf que ça, c'était vanille macaron. Et en fait, moi, j'aime pas trop parce que c'est trop sucré, vanille macaron. Du coup, bah, elle m'a pris vanille framboise. Je sais pas comment elle a fait pour deviner que je voulais celui-ci. Mais bon, elle l'a fait. Et je l'adore vraiment. Il sent vraiment très très bon. Du coup, je vais m'en mettre un peu. Ensuite, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, encore de la même personne. J'ai été gâtée. J'ai eu un autre baume à lèvres. Sauf que là, c'est un Baby Lips. Il est comme ceci. Donc en fait, il est vraiment très néon en fait. Quand vous le mettez comme ça, il est vraiment très très néon. Et c'est ça que j'adore. Mais en fait, sur les lèvres, je peux même vous faire essayer sur ma main. Vous voyez que ça brille un peu comme ça. Donc j'adore vraiment en fait. Je vais vous mettre un peu sur les lèvres. Donc pareil que lui, ils se voient pas très beaucoup en fait. Et c'est ça que j'adore. En plus en ce moment j'ai vraiment les lèvres gercées. Ça fait des sortes... en fait je saigne des lèvres quoi. Et donc, du coup c'est vraiment bien. Ça me fait super plaisir. Et elle savait que j'aimais tous les trucs comme ça. Donc du coup j'en ai deux, c'est super. Ensuite j'ai eu... Donc en fait tout le cottage, le parfum... Et le baume à lèvres, c'était mis dans un sac comme ça, blanc. Normal. Ensuite, j'ai eu quoi d'autre? De la part de ma meilleure amie, donc je la remercie fortement pour ce qu'elle a fait, c'est super. Elle m'a fait un petit tablier comme ceci. Avec la machine à coudre qu'elle a eue, donc j'adore vraiment ce tablier. C'est super. Merci à toi, je te fais fortement des bisous parce que j'ai vraiment été gâtée par toi et je te remercie. Ensuite, oula, pareil encore de ma meilleure amie, j'ai eu un petit... Oula là, attendez. Un petit sac. Comme ceci. Un petit sac Paris. Qu'elle a fait aussi avec la machine à coudre, avec une manière comme ceci que vous mettez comme ça autour du cou. Et quand on... En fait, je m'y attendais vraiment pas, mais quand on y ouvre, il y a une super lettre, super mignonne. D'ailleurs, je te remercie vraiment. Je vous remercie vraiment ceux qui l'ont écrit. Vous reconnaîtrez dans cette vidéo. Et à l'intérieur, il y avait 30 euros. Donc, merci beaucoup. Désolée, je dis toujours merci, mais j'ai vraiment été gâtée. Ensuite, encore d'une autre personne. Non, ça c'est la même personne. Ouais. J'ai encore eu, parce qu'en fait elle m'avait déjà fait un donut comme ça. J'avais vraiment adoré ma meilleure amie qu'elle m'avait fait. Et du coup elle m'en a refait un. Donc c'est un petit hibou, il est vraiment trop mignon comme ça. Avec un petit nœud papillon que vous pouvez le tourner dans n'importe quel sens. Ici, une petite paillette comme ça. Et là, une sorte de fleur avec un petit cœur comme ça. Et c'est tout. C'est une sorte de petit coussin. Et moi, vraiment, je l'ai mis en décoration. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai tout mis en décoration. Donc, vraiment, je m'en sers hyper tout le temps. Et du coup, bah, j'ai rangé ici comme ceci. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir eu tout ça. Sauf que c'est son petit frère. Il m'a offert un petit dessin comme ça, trop mignon, avec un petit cœur comme ça. Donc il est en CP, je crois. Oui.
Il m'a fait un dessin super mignon comme ça. Donc je le remercie, c'était une petite attention que j'ai adorée. Ensuite, j'ai eu aussi une boîte de Raffaello. Donc je sais pas si vous voyez comment c'est, mais je vais aller la chercher, je reviens tout de suite. Voilà, je suis revenue. Donc c'est une petite boîte comme ceci de Raffaello que j'ai. En fait, je sais que j'adore vraiment les Raffaello. Donc comme ceci, avec l'amande blanche à la clafronie et la noix de coco de l'île du Pacifique. D'ailleurs, je vais en manger hein, parce que j'adore ça. Ça se présente comme ça. Donc, c'est vraiment bon les Raffaello, j'adore ça. Et voilà. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Ensuite, j'ai encore eu des cadeaux. Hein. Bon, je vous montrerai après la vidéo. J'ai eu ce magnifique pull comme ceci. Je vais le montrer mieux. Il est comme ça. Voilà. Donc j'adore vraiment ce sweat à manchons, on va dire. Donc il est vraiment en plus super chaud. À l'intérieur, ça fait de la laine. Donc je l'adore. Et aussi avec, elle m'avait fait... elle était trop gentille. Elle m'a fait une petite lettre comme ça, mais je ne vais pas montrer derrière parce qu'elle m'a adressé tout ça. Elle m'a fait un graffiti avec écrit mon prénom. Et elle m'a mis une lettre ici que j'adore, qui est trop mignonne. Elle m'a marqué « Joyeux anniversaire pour la plus grande de l'école ». Donc en fait, oui, cette année, je suis la plus grande de l'école, à part ceux qui ont redoublé, parce que je suis née le 5 janvier, en début d'année. Du coup, bah, elle m'a fait ça et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Merci, merci, merci. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous laisse. Oui, je vous laisse. Et j'allais oublier de dire que toi, derrière ton écran, si tu me regardes, n'oublie pas de t'abonner, de laisser des pouces bleus, de partager sur les réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, Instagram, ce que tu veux. Ouais. Ou allant tout simplement dire à tes potes ou tes proches d'aller voir cette vidéo en disant « Va voir cette vidéo !» Voilà, tout simplement, je te laisse. À la semaine prochaine. Toi, derrière ton écran, je compte sur toi pour partager. Ciao ! C'était Siana, les présentations de mes cadeaux d'anniversaire.